Cette messe organisée sur la plage du village touristique marque ainsi le début de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse JMJ Mada 9 à Mahadzang. Une cérémonie purement religieuse ayant réuni tous les jeunes catholiques des quatre coins de l'île dans un même endroit. Chants, danse liturgique, mouvement d'ensemble, suivi de l'hymne national malgache, étaient au rendez-vous. Suivi des différentes allocutions des autorités étatiques ayant assisté à la cérémonie. Dans son discours, le Premier ministre Christian Tsai a fait savoir que Mahadzang sera le centre de rencontre de tous les jeunes malagas durant la JMJ. Profitant, dit-il, de cette opportunité pour véhiculer le message de paix, de sécurité et d'apaisement. Il a souligné que les jeunes sont l'avenir du pays, les piliers de la nation et messagers de paix. La région Bouind est plus qu'honorée d'avoir accueilli cet événement. La croix de la JMJ, un symbole très important aux yeux des milliers de jeunes venus des diocèses catholiques de toute l'île qui participent aux Journées mondiales de la jeunesse, 9e édition, a été accueillie en fanfare au village touristique de Mahadzang. Parmi les activités programmées au cours de la JMJ sont les séances d'études des Saintes Écritures, le chemin de croix, la confession, l'adoration eucharistique et une veillée de prière qui précédera la messe de fin. Cette 9e édition des Journées mondiales de la jeunesse ne prendra fin que le 14 octobre prochain.